What's up YouTube, c'est Faveur PC. Aujourd'hui on est dimanche et on s'est dit dimanche, il fait beau. La semaine prochaine c'est le Scooter Power organisé par Maxi Scoot. Pourquoi pas venir rouler? On a organisé un petit rasso, MK Moto RPC avec Mika, Geoffrey, tout ça. Et on a invité donc les teams comme LRT, DF, LRT. Pourquoi? Parce qu'il va rouler la semaine prochaine, donc ici ça l'entraîne. DF Racing, il va aussi rouler la semaine prochaine avec le petit homme dessus. Donc il est venu tester ses évolutions. Il y a aussi Mika et plein de jeunes qui sont venus. Donc tu connais, on va filmer tout ça. Je vais aller faire un petit tour des stands en musique. Et c'est parti. Cette bande de potes forme le team RPC 83 et ils se réunissent depuis 2011 autour d'une passion commune, le dragster. Bon allez, du coup là on a laissé les minots rouler, maintenant on passe aux choses sérieuses. Ah tiens, claqué la batterie là. Bon Mika, c'est quoi le délire là? C'est la grande circonférence. Il y a un mec qui fait péter avec une moto. Ouais. C'est quoi comme moto? C'est une Yamaha. C'est une Yamaha, c'est laquelle? C'est la MT-09. C'est lui là-bas, il fait le kéké lui? Ouais. Je crois qu'on va le bouffer, je crois. Tu le bouffes avec ta Mika? On va le bouffer. Allez, hein. C'est parti, hein. Allez, donc là on a MK Moto 96 Bidalo contre la MT. C'est une 09. J'ai apprécié qu'on tire 150 mètres aujourd'hui. Voilà. Ouais. 20 mètres et il m'a doublé, il est à 150. On va aller le voir pour le féliciter. Voilà. Félicitations, tu as quand même gagné. Hein, voilà. De derrière, on voyait pas, mais voilà. Le vainqueur, il est là. Mais c'était. Bon, du coup, vous avez vu la roulée, j'ai roulé. C'est beaucoup mieux qu'en Italie, parce qu'en Italie, on était catastrophique. Même si lui, il a été meilleur que moi. Là, on va se faire un run ensemble et on a lancé un pari. On va pas dire ce qu'on a parié, mais parole.
Comme ça, moi, il n'y a pas de direct. Okay. Je fais un salto arrière, dès que mes pieds retombent par terre. Ouais, mais attends, attends, attends. Non, mais pas. Ah, je dis la même chose. Tu fais un salto arrière et que tu pars sur la gauche ou sur la droite, on va te reprendre. Voilà, alors, la run c'est vraiment genre à la street. Regarde le départ, vas-y, explique. Oh, Fab, c'est au moment où on va faire un départ, salto arrière. Dès que les pieds retombent par terre, start. Vas-y, teste là. Vas-y, vas-y. La ligne. Et là, go. Ok. Ah, Nadu, Nadu, Nadu. J'ai trop chaud. Je fais d'abord un petit start. Vas-y. Voilà, ça joue la live là, Voilà, je suis parti un peu, il avait le cœur l'air, je suis parti du coup. On laisse refroidir la machine. On fait. Bah du coup, voilà, on a fait la revanche. Moi, je l'ai gagné, d'accord. Ouais. Du coup, comme j'ai fait faux départ au premier, on annule le pari, ok. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'histoire sur Facebook, l'octogone, si cela. Il y a bien sûr un octogone en Italie qui se finit. Voilà, là, la finale, c'est dans deux semaines. Ouais, pour l'instant, il est devant moi, voilà, clairement. Je suis en tête. Non, t'es pas en tête, t'es devant moi. Ouais, je suis en tête quand même. Ouais, t'es en tête devant moi. En fait, mais j'ai le meilleur chrono. Ouais. Mais t'es devant moi. Ouais, je suis devant toi. Mais au classement, je suis devant. Il est devant, il est devant. Donc là, ça se joue donc dans 15 jours. Ouais, c'est ça. 15 jours, là, c'est bon, ça nous a fait un bon entraînement, c'est sympathique. Et on se revoit dans 15 jours. Ouais. J'espère que ce sera pas le même Italie que. Un bisou. Non, fais-moi toi un bisou, je te fais un. On s'en fait un tous les deux. Vas-y. We'll be loving you. Bon, voilà, c'est la fin de ce petit rassaut, on va dire, entraînement pour les prochains meetings. C'était vraiment sympathique, on a pu bien s'entraîner. Comme vous avez vu avec la caméra dessus, j'espère que ça rend bien, que ça rendra bien. Et que vous avez vu que la piste elle est top hein. Pour s'entraîner, c'est nickel. Donc merci à DF Racing, LRT et tous les jeunes d'être venus. Voilà, on n'est pas des gros comités, mais au moins ils respectent les règles. Quand on roule, vous avez vu tout le monde sur les côtés, personne fait n'importe quoi, ils roulent à peu près équipés. Donc c'est top. Donc LRT il est venu ici pour s'entraîner pour le scooter power, pareil pour DF. Moi je serai pas au scooter power. Attends, je laisse passer quand même. Voilà. Moi je serai pas au scooter power. Pourquoi? Parce que j'ai pas de machine à rouler. C'est Tom Beat qui va conduire le drag de DF. D'ailleurs Tom là tu peux y aller, le drag c'est un bijou à conduire. Hein. Moi je serai donc dans 15 jours pour la finale du EDC comme vous avez pu le voir avec Nadu. Donc je vous dis. À la prochaine. Peace. It's all about humanity.